break them. J'aime bien écouter depuis un moment un titre d'un groupe qui s'appelle Explosion in the Sky. C'est une chanson, c'est une instrumentale en fait, il n'y a pas de paroles et c'est tout doux. Et, donc ça peut paraître bizarre, c'est loin des clichés de la musique qui envoie beaucoup. C'est une chanson un peu calme en fait. C'est It Was a Good Day de Ice Cube. I can't believe today was a good day. La chanson elle est assez calme et en fait elle dit grosso modo que aujourd'hui c'était une bonne journée et j'aime bien le parallèle avec le quand tu gagnes un match en fait du coup. J'aime bien les instrumentales dans la musique mais j'aime bien aussi ce qui se dit dans les chansons et pas écouter qu'un son mais qui est aussi un sens un peu dans ce qui se dit et là cette chanson je trouve qu'elle s'y prête bien. J'aime beaucoup les vieux groupes de rap français, dont IAM. Il y a une chanson d'IAM que je connais bien, que j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Bouge la tête. Chaque fois que je fais bouger les têtes. C'est pas leur plus connu, mais moi c'est ma préférée. C'est vrai que je la connais bien. Je la chanterai pas, mais je la connais bien. C'était le concert de Childish Gambino. This is America. This is America. Qui était un peu la chanson phare de son album qu'il avait sorti avec son clip un peu choc où il reprend un peu tous les problèmes de la société américaine. Et j'aime beaucoup Limp Bizkit et c'est vrai qu'ils ont pas mal de chansons pour ça. J'aimais bien Rollin, le clip où il est dans sa voiture dans Manhattan. Pour me défouler, ouais, il est pas mal. Mais ce groupe s'y prête bien aussi. Des Rolling Stones, Beggar Blanket. Il y a Jigsaw Puzzle, que j'aime beaucoup. Et l'air, en fait, me plaît énormément. Dès le début, l'air à la guitare. Et ouais, j'aime beaucoup cet album. Enfin, j'aime beaucoup ce morceau-là, surtout. Avec ma copine, on s'est fait tous les épisodes de The Office, la version américaine. Et le générique est juste génial en fait. Dès qu'on l'entend, on a envie de sourire et on se sent bien quoi. Donc il est assez parlant et je l'aime bien. Je l'avais découvert un peu par hasard, c'est un rappeur anglais qui s'appelle Loyal Carner. J'aime bien le rap, mais le rap avec des instrumentales un peu travaillées, quoi. Pas forcément quelque chose qui est un peu bourrin. Quoi, mais... Et lui, il est un peu comme ça, et ce qu'il dit, en fait, c'est sympa. Le premier titre de l'album s'appelle Dear Jane, et c'est sa mère, en fait, et donc il parle à sa mère dès la première chanson. Ouais. Dear Jane. Ouais. I hope this doesn't come as a surprise. Tout l'album est chouette, et c'est vraiment un album que j'ai beaucoup écouté là, sur les dernières semaines. I've fallen for a woman from the skies. Ouais. And she'd be truer than...